Shalom à tous. J'ai eu la chance, le jour de Pourim, à Yerushalayim, le 15 Adar, de parler avec mon maître, mon révérend Rabbi, Rav Shalom Arouche, qui a une longue vie, une bonne santé. Et je lui ai posé la question si c'était toujours d'actualité pour les Juifs de France de monter en Eretz Israël. Vu que je vous fais un petit résumé, au début de la Corona, alors que ça ne touchait aucun autre pays à part la Chine, le Rav m'a dit aux Français de monter en Eretz Israël maintenant, sans que je ne lui parle de quoi que ce soit. Il m'a dit d'ailleurs de monter avant qu'il y ait de la pression. Et juste avant qu'ils ferment les frontières, la semaine avant qu'ils ferment les frontières, je demandais au Rav si je devais retourner en France. Il m'a dit non, Arshav, tu restes en Eretz Israël. Reste en Eretz Israël. Et je lui ai dit qu'on avait fait un premier message pour les Français de penser à monter en Eretz Israël. Il m'a dit il n'y a plus le temps de penser, il faut monter. Et hier, je lui ai redemandé à Pourim, parce que c'est toujours d'actualité. Il m'a dit ce n'est pas une question, c'est une évidence. Et dis-leur de monter aujourd'hui et pas demain. Sous-entendu, qu'il faut vraiment, véritablement monter en Eretz Israël. Alors, on ne demande pas à chacun de se mettre à se paniquer ou à commencer à monter sans aucune réflexion. Baruch HaShem, aujourd'hui, chacun connaît quelques familles qui sont montées en Eretz Israël, qui se sont intégrées en Eretz Israël, qui ont des écoles, qui ont des endroits où ils travaillent. Donc, chacun il peut se tourner autour de ses proches et avoir confiance que voilà, Baruch HaShem, chacun arrive à s'intégrer petit à petit à sa façon, et que le seul moyen pour nous aujourd'hui d'être délivrés de la miséricorde, c'est de se renforcer dans la confiance en Hachem, dans notre foi en Hachem, qu'il nous aime, qu'il est avec nous, de ne pas avoir peur, et de pouvoir avancer, besimcha, avec joie et confiance en HaKadosh Baruch Hu, que Baruch Hachem, c'est extraordinaire, il nous invite à monter en Eretz Israël, il est en train de nous fermer les autres solutions, il est en train de nous montrer que personne n'est à même de pouvoir, aucun pays n'est à même de pouvoir gérer la situation telle qu'elle est en train de se dérouler, que ce soit par la corona, que ce soit par les autres événements qui peuvent s'enchaîner derrière. Eretz Israël, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est une terre qui ne fait que grandir, l'économie ne fait que grandir, que le Ham Israël ne fait que s'épanouir ici. Aziratson, que chacun monte en Eretz Israël, se mette véritablement à monter en Eretz Israël et à avoir confiance que Baruch Hashem, la Géoula est en train de se préparer et qu'on veut tous être aux premières loges. En tant que fils du roi, être aux premières loges, pouvoir assister à la venue du Mashiach, Berachamim, Besimcha, que dans la miséricorde, que dans le dévoilement d'Hachem, dans la bonté, pour tous et pour toutes. Yiratzon, qu'on se retrouve tous en Israël, Bekarov, avec Mashiach Tzidkenu.